Murmure de Vénus, c'est l'histoire de six femmes qui viennent se prendre en photo. Âgées de 7 à 77 ans, chacune d'entre elles raconte son vécu aux photographes et parle de leur rapport avec l'amour. Un court-métrage réalisé par Rizlan Nassif, étudiante en cinéma à la faculté de Martil. Je suis très contente aujourd'hui de présenter ce film parce que pour moi c'est un film d'amour, que ce soit de ma part ou de toute l'équipe parce que tout le monde a travaillé gratuitement. Pour sa première édition, le Festival international des écoles de cinéma a reçu pas moins de 500 films. 25 ont été retenus, des films de fiction, animation et documentaire provenant de 17 pays différents. Je crois mordicus que c'est un festival nécessaire aujourd'hui pour la promotion du cinéma national, pour encourager les jeunes Marocains à avoir d'autres expériences, mais aussi à les égaler et à les dépasser par la suite. À l'occasion de ce festival, plusieurs hommages ont été rendus à des réalisateurs marocains, lauréats de grandes écoles de cinéma, des réalisateurs comme Ahmed Bouanani. La première édition du Festival international des écoles de cinéma se terminera ce jeudi avec la remise des prix aux vainqueurs.